J'ai choisi de faire des études d'ingénieur à la Polytech parce que c'était des études très ouvertes et qui ne fermaient pas de portes. Moi, j'ai choisi la Polytech parce que c'est une faculté qui me permettait d'avoir une formation très complète en maths et en sciences, et c'est vraiment les deux domaines qui m'intéressaient. Nous, on a choisi d'opter pour le programme StarTech, qui nous permettait d'aborder l'ingénierie sous un côté plus entrepreneurial. Et après quelques mois de travail, on a remporté le concours StarTech, et ça nous permet de partir au Texas au mois de septembre qui arrive. Concrètement, notre projet s'appelle Nélite. C'est une machine capable de scanner une couleur, ensuite de fabriquer le vernis de cette couleur. Ensuite, il suffit d'insérer les mains dans la machine applique le vernis et sèche le tout rapidement. Donc, le concept, c'est un peu de créer des photomatons des ongles où les dames arrivent, payent quelques euros, mettent leurs ongles dans la machine et ressortent 5 ou 10 minutes plus tard avec les ongles faits, sans rien faire. Ça nous a permis de toucher à beaucoup de compétences différentes. On est un peu parti du côté de la chimie, pour la composition des vernis, mais aussi d'un point de vue électronique pour la gestion de la machine en soi. Et puis pour la réalisation de la cabine, on a même goûté aux joies du ponçage, vissage, de la peinture, etc. Donc on a touché à beaucoup de domaines grâce à ce projet. Je m'appelle Lola Botman et je suis étudiante en deuxième bachelier à la Faculté Polytechnique de Mons. Je m'appelle Marion Coquelet et je suis étudiante en deuxième bachelier à la Faculté Polytechnique.